qu'on va voir comment se créer un compte sur Screencast. Donc, on va sur screencast.com. Et donc, Screencast, dans le fond, c'est le site de diffusion vidéo de la compagnie TechSmith qui produit entre autres les logiciels Jink et Camtasia Studio, qui sont des logiciels de capture d'écran. Alors, il y a deux sortes de comptes. Il y en a un qui est gratuit si on se limite à 2 gigaoctets, dans le fond, d'espace. Et si on veut plus, on peut payer. Donc, ils ont des forfaits. Il faut aller avec la version pro. Alors, nous, on va se créer un compte gratuit. Alors, premièrement, ça nous prend un courriel qui va être en fait notre nom d'usager pour se connecter au site éventuellement. Alors, voilà. Donc, disons que je marque mon adresse courriel. On se donne un mot de passe. On le rentre une deuxième fois. On se trouve un nom, dans le fond, qui va être le nom qui va apparaître sur notre compte. Donc, quand on met une vidéo, ce ne sera pas l'adresse courriel qui va apparaître, mais bien le nom d'utilisateur. Alors, disons, donc Samuel Bernard, disons, mathématiques. Voilà. Le pays, donc Canada, ici. Ah, donc là, voyez-vous, Samuel Bernard mathématiques est déjà pris. Alors, on va en prendre un autre. Tiens, on va prendre Samuel Bernard 1. Est-ce que c'est pris? Non, ça semble pas pris. Un petit crochet vert, donc parfait. Donc, Canada. Maintenant, une fois qu'on a tout fait ça, on peut cocher ici si on veut recevoir par courriel des trucs et des astuces. Alors, moi, je ne veux pas, donc je le cocherai pas. Et on clique sur « Sign up ». Pour créer notre compte. Alors, on nous dit que notre compte a été créé et qu'il faut aller à notre adresse courriel pour aller activer en fait notre compte. Alors, on va dans notre courriel. Moi, j'y suis déjà. J'ai reçu un courriel de Screencast et je vais juste afficher les images. Alors, on demande ici de cliquer sur le lien suivant pour, dans le fond, activer notre compte. Alors, moi, je suis dans mon Gmail. Ça pourrait être un Yahoo, un Hotmail, peu importe. Alors, maintenant, on retourne sur la page. On dit que c'est activé. Maintenant, on doit se connecter au site. Alors, voyez-vous, en haut à droite, on a déjà notre courriel qui est entré. Il me resterait juste à rentrer mon mot de passe. Donc, je pourrais le rentrer ici. Si jamais je retourne, je pourrais retourner peut-être à la page de départ. Donc, la première page où est-ce que nous, on s'est inscrit. Alors, voyez-vous, en haut, on peut se connecter. Alors, je vais écrire ici mon adresse courriel. Et mon mot de passe. On se connecte. Et voilà, nous avons notre compte Screencast qui est activé. Alors, on peut écouter la petite vidéo si on veut, qui va nous dire un peu quoi faire pour démarrer notre compte. Donc, ça, je vous laisse la lire, mais l'écouter plutôt. Mais en fait, vous pouvez ici, dans My Account, dans le fond, il y a quelques petits trucs qu'on peut faire. Donc, si vous jamais voulez changer votre courriel, votre nom d'usager, le pays. Ensuite, si vous allez peut-être dans ma librairie, alors, dans le fond, ce que vous pouvez faire ici, quand vous aurez plusieurs vidéos qui vont être, dans le fond, c'est l'endroit où on va voir tous vos vidéos. Alors, vous pouvez les, dans le fond, créer des dossiers et puis, dans le fond, trier vos vidéos. Donc, ça peut être une façon un peu plus facile de se retrouver. On peut créer des listes de lecture aussi. Donc, on peut déplacer des vidéos d'un répertoire à l'autre. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on se crée un compte chez Screencast. Donc, quand on a terminé, on peut simplement se déconnecter et éventuellement, on mettra des vidéos dans notre compte.